Les amis, ça y est, je suis super content aujourd'hui de vous présenter notre 4x4. Donc c'est un Toyota Land Cruiser 80 Series. C'est un moteur 6 cylindres, 4.5 essence. Il est de 94, il a aujourd'hui un peu plus de 400 000 km, mais on a fait changer le moteur entre temps. Et j'en dis pas plus, on va tout de suite passer à la présentation. Bon, maintenant que nous sommes installés, je vais pouvoir enfin vous présenter notre équipement. Et on perd pas de minute, on commence tout de suite avec ma partie préférée, à savoir le coffre. Je vais vous dire pourquoi. Déjà parce qu'on a une petite tablette, il y avait de la vieille moquette et j'ai mis une belle plaque en alu, ce qui fait un vrai plan de travail et en plus de ça, facile à nettoyer. Ensuite, on a installé deux tiroirs à l'arrière, des tiroirs montés sur rail. Dans le premier, on a donc notre cuisine. Et dans l'autre, on a tout ce qui est salle de bain, ainsi que tous les équipements électroniques. À gauche, on a la gazinière et sa bouteille de gaz. Et derrière, j'ai installé le transformateur, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Du côté droit, j'ai calé deux bidons de 20 litres, avec en dessous le compresseur, qui lui est relié directement à la batterie, pour éviter de perdre du temps quand on doit regonfler les pneus. Ensuite, j'ai construit deux tiroirs en bois, que j'ai recouvert de moquettes et monté sur rail pour que ce soit propre. Et comme ça, on a un tiroir chacun pour ranger nos affaires, ce qui suffit largement. Et enfin, la pièce maîtresse de notre cuisine, bien évidemment, le frigo. Donc là, on s'est monté un frigo de 65 litres, s'il vous plaît, avec double compartiment. Ici, un tiroir pour les bières et un compartiment en haut où on peut ranger beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment pratique en road trip. Et donc, qui dit frigo dit installation électrique. C'est pourquoi on a monté sous le capot une seconde batterie. Donc une batterie à décharge lampe de 105 ampères qui se recharge en roulant et qui est donc reliée directement à la batterie principale. Et avec ce montage, on arrive à tenir facilement 3 jours sans utiliser les panneaux solaires. À l'arrière, j'ai installé un transformateur, ce qui nous permet de brancher et de recharger tous les appareils qui ne sont pas compatibles avec le 12 volts. Il est relié au switch qui nous permet de contrôler la charge et de voir notre consommation d'énergie en temps réel. En dessous, j'ai installé deux interrupteurs qui gèrent l'éclairage. Donc on a une barre de LED sous le haut vent, deux spots au niveau du coffre et une guirlande lumineuse qui éclaire tout l'intérieur du 4x4. Toujours niveau lumière, j'ai installé deux spotlights ainsi qu'une barre lumineuse sur le toit. Ici, support de canne à pêche. Là, on a une antenne pour la radio. Ici, c'est une antenne pour la CB. Et on a ici le treuil. Bah, je vais pas vous mentir, on s'en est jamais vraiment servi. Le snorkel, très important parce qu'on va traverser pas mal de rivières et même tout simplement pour la poussière sur les gravel roads en fait. Ensuite, ici, on a des moyeux débrayables qui permettent de passer très facilement de 2 à 4 roues motrices et j'ai rehaussé le 4x4 avec des suspensions qui sont renforcées pour assumer sans problème les 3 tonnes de la bête. Et enfin, pour terminer avec l'extérieur, on a au-dessus du pare-brise les plaques de désensablement, avec derrière la boîte magique dans laquelle on retrouve tous les outils, des pièces de rechange et un kit de sangle de remorquage pour se sortir ou sortir les autres de la galère. Et avant de se quitter, je vais quand même vous présenter le tableau de bord. À premier abord, ça a l'air old school, mais entre la CB, le nouveau système audio et l'écran tactile qui prend en charge le CarPlay, on n'a quand même pas l'impression de se déplacer dans un 4x4 qui a 27 ans. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à très bientôt pour explorer ensemble le Western Australia.